Le village enfant, c'est un projet de beaucoup de projets en fin de compte de l'Action Bamboche. C'est les activités de loisirs, les après-midi de loisirs de la ville du Luxembourg. Alors ici, vous avez une quarantaine d'enfants qui se voient tous les après-midi entre 14h et 18h. Et ça commence par une réunion, c'est-à-dire les enfants se mettent ensemble et commencent à discuter leurs idées qu'ils ont pour construire un village. Je suis toujours le menuisier. Et oui, et des fois on coupe par exemple des bois qui n'en a là-bas, il a des bois que on peut mettre sur les murs, comme là-bas, les murs là-bas. Il travaille avec des outils, des matériaux comme du bois, comme de l'argile, vraiment comme des adultes. Alors décider d'un village, c'est construire le village, mais par la suite aussi mettre de la vie dans ces édifices. Par exemple, de ce côté, vous avez une banque. Il ne suffit pas seulement d'avoir mis le nom banque sur une planche, mais il y a aussi de la vie qui naît dans cette banque par la suite. C'est-à-dire, ils ont imprimé des sous, par exemple. C'est pas des euros, ils ont un autre nom, ils ont trouvé un autre nom. Il y a des comptes en banque, ils ont fait des cartes Visa par exemple, et ils jouent la société comme les enfants la voient autour de eux en fin de compte. Ça c'est de l'argent, des cadeaux doux. Ah ça on met le ZAO. Merci. L'argent. Par exemple, on travaille et à la fin on reçoit notre paye. Et alors on reçoit toujours. En euros, ce serait par exemple 700 euros. Oh, 700 euros. Mais ici, c'est 7 cadeaux doux. 7 cadeaux doux ? Moi, je dirais, si beaucoup d'adultes venaient voir une fois ici ce qui se passe dans ce village, il y aura des idées même pour changer, voire pour améliorer notre société. Parce que les enfants sont très respectueux vis-à-vis l'un de l'autre. Les idées qui sont mises sur la table sont discutées. Il y a des consensus qu'on recherche. Et par la suite, il y a un plan d'activité qui est mis en place pour la journée, respectivement l'après-midi, pour construire, voire pour mettre la vie dans tous ces bâtiments. Ça, c'est notre boîte. Quand on a des problèmes et qu'on ne veut pas le dire au centre culturel, on peut écrire dans la boîte et on écrit sur un papier et on met dans la boîte. Et ici, comme je vous disais avant, c'est la liste. Par exemple, ici, on voit crèche, bistrot, banque, poste. C'est là où on peut s'inscrire. Et là, on voit des enfants qui étaient en train de faire le journal. La sécurité, c'est... Bien sûr, dans l'organisation de ce village, c'est un des points les plus importants pour nous en tant qu'organisateurs. Nous, on fait des introductions pour les enfants s'ils travaillent par exemple avec des scies, des marteaux, des clous, etc. Ils portent des gants, ils portent des protections pour la tête, pour les yeux, s'il y a des grandes machines où il faut manutentionner, aussi pour l'oreille. Et c'est notre organisation qui relève la sécurité. On les avise pour respecter et c'est les moniteurs qui sont en charge de que la sécurité soit vraiment respectée. Et c'est un grand point dans l'organisation en fin de compte. Les enfants ne le voient pas directement, mais c'est nous qui sommes en permanence sur le site pour vraiment avoir un œil sur ce qui se passe en fin de compte. La maison là, ça appartient à 10 enfants. Et c'est notre maison. Avec des beaux canapés. Et une belle table, des chaises. Il y a beaucoup de choses ici. Si on va un peu plus loin, on voit aussi une autre maison. Regarde, c'est la maison de... Là, on voit des enfants qui aident un peu à ranger. Ici, il y a le parc. Et ici, il y a des plantes. Et là, c'est notre parc. Notre jardinier va nous expliquer un peu toutes les plantes qu'il y a. C'est les plantes c'est la plante monstre. Là, c'est la plante plante. Et c'est le président de plante. Il y a du moustache. Allez, comment ça? Comment tu t'appelles? Yeah, merci. Et ici, on peut aussi acheter des plantes si on veut. Ah oui, oui, des plantes. Des très jolies plantes. Regarde, on avait fait une fois aussi, on avait pris une jolie table et on avait mis de la lavande, on avait
décorer un peu. Et si on voit les plantes ici? Ici. On voit les plantes. Et les parents aujourd'hui, je crois que les parents aujourd'hui peuvent en acheter. Et ici, c'est notre petite mascotte, la vache luxembourgeoise. Et si on monte encore plus en haut, on verra la bijouterie et le magasin de décoration. Par exemple, la décoration, ils ont fait des petits drapeaux ou des petites figurines comme ça. Un drapeau. Ici, on voit un peu la crèche qui a fait un peu le bordel. Ils n'ont pas tout rangé. Ça, c'est notre grand moniteur Phil. Salut Phil.